Nous revoici dans un update commun spécial saga. Ouh, ça faisait longtemps. Ouf. Et donc cette fois-ci, c'est une trilogie. On parle de la trilogie Ouais! Nil. Je me suis griffée sur tes ongles! Merci Clémentine d'avoir sorti le livre. Voilà, grosse pavasse de plus de 1000 pages. Ça, c'est parce que c'est l'intégrale, hein, on se calme. Oui. Donc moi, j'ai que le premier tome chez PKJ. Elle est là, chez France Loisirs. Donc moi, je viens de La l'acheter. pavasse! Il est arrivé hier. Et donc, je l'ai racheté. Vous vous doutez que ça m'a beaucoup plu, hein, quand même. Ce Donc, teasing! c'est de Lynn Matson aux éditions France Loisirs PKJ. Clémentine, je te laisse faire le synopsis. Oui, mais d'abord, je vais caler ça d'une manière ou d'une autre. Le truc, c'est que le machin, là, il est tellement épais qu'il tient debout sans problème. Pour le synopsis, on va donc suivre, dans le premier tome, une jeune fille du doux prénom de Charlie, si je dis pas de conneries, c'est ça? Qui va un beau jour, alors qu'elle allait sur un parking, je sais plus ce qu'elle foutait de sa vie, elle était sur un parking. Elle était avec des œufs, je crois. Mais elle allait Des œufs et rencontrer du son lait. voisin, je crois, ou... Enfin, je sais plus. Elle faisait les courses, un truc comme ça. Bref, il y a une sorte de porte... chelou, Chatoyante. avec des lumières chatoyantes un peu chelou, qui la traverse, et quand elle se réveille, elle est à poil sur une île déserte. Tout ça pour découvrir que l'île n'est pas déserte, il y a plein d'autres ados, et surtout des créatures très dangereuses. Et elle apprend. Bah, pas que dangereuse, il y a des zèbres, des girafes. Oui, certes. Et elle apprend qu'il y a 365 jours pour se barrer de l'île, sinon elle meurt. Donc il faut rattraper une autre porte chatoyante. Et pour ça, il faudra trouver une autre porte chatoyante qui t'emmènera. On On sait sait pas pas ce qui se trop. passe, les gens qui arrivent à traverser. C'est le pitch. C'est pas mal, hein? Clémentine la fait toujours par plus et par moins pour ses avis, et moi c'est vraiment au fur et à mesure de mes impressions. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je voulais juste dire que c'était entre guillemets pas ma faute, c'est juste que bah il y a Oui, écrit plus et c'est moins par dans le rapport à ton cahier, hein, carnet, hein. c'est un choix Mais personnel. moi, du coup, je suis au fur et à mesure de ma lecture, mes impressions. Donc, je vais commencer par mes premières impressions. Donc, ça me fait penser à un mélange de Hunger Games et du Labyrinthe. Parce que le Labyrinthe, avec les quêtes, avec tous les jours, ils vont ensemble, ils vont ci, ils vont ça. Ouais, c'est Et vrai. Hunger Games, la mode dans la forêt, ou même sur la plage et tout, vraiment, j'avais l'impression que c'était un mélange des deux. C'était trop, trop bien. Naturellement, j'aurais pas vu le côté labyrinthe, mais c'est parce que j'ai Mais en fait, décidé si. de Oui, de l'enlever, wipe out le labyrinthe de ma mais vie. même si tu imagines le film, au final, je trouve que ça y fait quand même Ouais, il y a penser. des dés. Puis que des ados bloqués qui savent pas pourquoi ils sont là, tout ça. J'ai mis que les chapitres, ils étaient très courts, à peine quelques pages. Et vraiment, bah, j'ai trouvé ça très facile parce que du coup, c'est pas une turner, Ah tu veux oui, pas t'enchaînes t'arrêter, complètement. t'enchaînes. Moi, c'est simple, le premier tome, je l'ai lu pratiquement d'affilée, donc il fait 450 pages. J'ai dû le commencer à 22h. J'ai dû le finir à 2 ou 3 heures du matin. Enfin, je l'ai pas fini, fini, il me restait 50 pages à peu près. Et j'ai pas pu vraiment finir parce que je devais me lever genre à 8 ou 9 heures du matin le Mais lendemain l'erreur, l'erreur! pour faire quelque chose, je sais plus quoi. Mais ça, j'ai commencé un livre à 22h, je me suis dit, bon, allez, je lis quelques pages, et puis voilà. Et puis j'ai pas su m'arrêter, c'était tellement mais addictif et incroyable. Et je me souviens que je chialais et que j'étais en sueur et que c'était incroyable ma lecture, j'ai eu un coup Laurine, elle de voulait se cœur, mettre dans l'ambiance, être bien dans l'eau comme les mais. personnages, tu sais. Mais retentissant, ce coup de cœur, vraiment, c'était incroyable. Et ouais, vraiment, j'ai pas su me décrocher du premier tome. Oui, je l'ai noté aussi, c'est-à-dire que je n'ai pas cette expérience de coucher trop tardif, parce que je ne fais pas ça dans ma vie, c'est une idée à la con. Merci, Clémentine. Vous voyez comme elle me juge. Non, je juge ton idée. Voilà. Effectivement, c'était très addictif aussi, je m'en rappelle ça pour le coup. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que comme d'habitude, il faut attendre que les deux aient lu le livre. Et Oui. pour que les deux aient lu le livre, bah, des fois il se passe du temps. Mais. Beaucoup de temps, surtout que là c'est un update saga, donc il fallait que toutes les deux en aient lu les trois tomes. Ouais, c'est vrai que les tomes 1 et 2, je les ai lus d'affilée. Mais le tome 3, j'avais commencé, puis au final, j'ai eu besoin d'une pause parce que Ouais, je les c'est avais ça. lus trop vite. Et ça devenait un petit peu répétitif. Et du coup, j'ai lu plusieurs livres avant. C'est ça. Du coup, moi, ça date du 7 juin, la fin de la lecture. Moi, je sais pas, mais il y a plusieurs mois quand même. Oui, voilà. En Bah. août, peut-être, moi. Voilà, donc autant vous dire que ça fait longtemps. C'est pas frais, mais il y a des petites notes, donc c'est cool. Bref, donc oui, extrêmement addictif. Je vous rappelle, j'étais scotchée derrière mon bouquin et je n'en bougeais plus. Donc ça, oui. Moi j'avais dit que le livre était obsédant et que j'arrivais juste pas à m'arrêter. On voit à quel point j'en ai été incapable. C'est ça. Et que la romance, j'ai trop aimé la romance du premier tome. Ils étaient trop, trop, trop mignons. J'ai trop surkiffé. Et puis du coup, toi tu t'y attendais pas du tout, je me souviens. Mais moi du coup, je savais qu'il y en avait une vu que tu m'en avais parlé. Mais juste, c'était trop mignon. Donc oui, moi je ne savais pas qu'il y avait une romance de base et
Je comprends tous ces gens, et j'en fais partie, qui en ont ras-le-bol que forcément, si c'est un young adulte, il faut de la romance. Mais là, clairement, c'était pas juste une romance pour caser une romance, c'était vraiment, il y a une partie survie et il y a une partie romance. Point. Et du coup, bah, ça m'a beaucoup plu parce que moi, c'est au final un peu mon genre préféré quand il y a des romances dans autre chose que de la romance. Voilà. Donc C'est je peux très vrai. bien lire que des romances et très bien lire que des trucs qui soient pas de la romance du tout, plutôt SFFF. Mais quand les deux sont mélangés, c'est un peu C'est mon trop kiff bien. ultime. Ouais, Donc c'est en vrai. plus, quand je m'y attends pas, c'est C'est parfait. trop, c'est magnifique. C'est parfait. Moi, j'avais écrit que j'adorais les personnages, surtout les deux personnages principaux, mais même leurs potes. Je les trouvais tellement attachants, Oui, ils tellement, sont trop tellement mignons, trop gentils, tellement gentils. mignons, ouais, vraiment super attachants en T'as fait. envie qu'ils trouvent tous des portes et qu'ils sortent tous en temps et en Mais heure. oui. Mais vraiment, j'ai beaucoup plus accroché avec les personnages du premier tome que dans ceux des suivants, même les secondaires, même les tertiaires. J'ai vraiment, vraiment accroché avec tous les personnages du premier tome. Ah oui, d'ailleurs, micro-teasing de ce qui vient ensuite, c'est le meilleur, le premier tome le meilleur, hein, Oui, clairement. c'est vrai. Oh là là. D'ailleurs, je vais peut-être vous montrer ça aussi, vu que c'est le premier tome. Alors, je vous lis mot pour mot ce que j'ai écrit, parce que je trouve ça assez prenant. Je n'ai pas réussi à m'arrêter avant la page 276, c'est très précis. Et encore, seulement parce que j'ai lu la fin pour voir comment ça se finissait. En mode, je savais qu'il fallait que j'aille me coucher à un moment ou un autre, parce que je savais qu'il fallait que je me lève tôt. J'ai dû lire la fin pour pouvoir me dire, bon, ok, très bien, je peux aller me coucher, je sais comment ça se Allez, finit. Donc. sachant qu'en plus 276, c'est plus impressionnant que ce que vous croyez, parce que en lisant en intégrale, je pense qu'il y a moins de pages par tome. Je pense. Ouais, je pense Bah aussi. attends, je crois que ça doit être écrit. Ah non, c'est ça, 460 pages, c'est pareil, j'ai rien dit. Mais du coup, ouais, il me restait pas 50 pages comme je le disais, parce que sinon je pense que je l'aurais fini. Mais vraiment, ouais, je me souviens même avoir pleuré quand j'ai lu la fin, alors que j'étais pas vraiment à ce moment-là, enfin bref. Et du coup, j'ai dit sinon j'aurais fait Nuit Blanche pour le lire de A à Z, et j'ai chialé comme un bébé. J'ai écrit ça. Non, pas moi, non, quand même, faut pas déconner. Non, moi j'ai. T'as pas pleuré toi? Non. Oh, Mais il m'en j'ai faut plus que chialé, ça pour mais. pleurer, moi. Oh, j'ai chialé, mais comme un bébé, je m'arrêtais plus, c'était une fontaine. Ah non, J'ai mais. pleuré, pleuré, pleuré. Alors, on va passer sur le seul point négatif que j'ai écrit sur ce premier tome, mais qui, forcément, vous allez vite Ouh. comprendre, découle sur les tomes 2 et 3. Le format intégral, c'est une idée À la à la con! con. Parce que quand tu tiens. Alors, quand tu tiens pas à l'état de tes bouquins. S'en fout. Mais quand tu tiens à l'état de tes bouquins et que le bébé fait 1500 pages, oui, littéralement, bah pour pas péter le dos, amuse-toi bien. Ouais, déjà c'était dur et puis c'était Il est lourd, c'était lourd, ouais. mais il est lourd. Oh là là, enfin bref, c'est assez compliqué. J'ai noté un truc qui est vachement bien et qui n'est pas forcément le cas, c'est qu'il y a un, beaucoup d'émotions, et deux, qu'elles sont très bien retranscrites. Ouais, de ouf. Je trouve qu'on vit assez facilement les émotions, on comprend assez facilement les émotions. C'est tellement bien écrit. Franchement, c'est bien, hein, enfin, ça Ouais, se ouais, retransmet bien. ouais. Moi, j'ai noté que j'avais adoré l'univers. Vraiment, l'histoire, l'univers, l'île, tout ça, j'ai été absorbée. Vraiment, c'est incroyable parce que là, j'ai envie de le relire. C'est pas tellement mon style, mais c'était magistral. Les trucs genre île déserte, etc., c'est pas mon style de base. Mais vraiment, c'est comme les trucs en mode astronomie, science-fiction dans Space l'espace. opéra, quoi. C'est pas du tout ce que j'aime. Mais là, bon, même si ça parle pas d'espace, j'ai adoré. Enfin, ça a été un coup de cœur magistral. Mais c'était mon coup de cœur de l'année 2020 le plus retentissant. Sérieux? Ah C'était ta oui. meilleure lecture de Ouais, 2020? c'était ma meilleure lecture de 2020, il me semble. J'ai dû le mettre dans Adieu 2020. Et si c'est pas le cas, je regrette. Non, non, je crois que c'est ça que j'avais mis dans mon plus gros coup de cœur de 2020. Du coup, pendant que Clem cherche quelque chose, j'ai écrit, c'est un coup de cœur magistral encore plus fort qu'une braise sous la cendre. C'est un de ces coups de cœur qui marquent l'année. Moi, j'ai eu 15 coups de cœur dans l'année, il est en place 14. Ah ouais? Ah ouais. Ah, moi, c'était vraiment mon coup de cœur de l'année. Ah bah, j'ai préféré tellement plus de trucs par rapport à ça. Par contre, petit bonus bémol, appelez ça comme vous voulez, la fin. Alors moi, j'ai noté une fin horrible avec deux points d'exclamation et un suspense insoutenable avec un point d'exclamation, les gars. Ah, c'est pour Voilà. ça que j'ai chialé comme une. La fin avant Mais c'était l'épilogue, la tellement fin bien après écrit. l'épilogue. Oh là 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 C'était là. tellement bien écrit. C'était tellement prenant. C'était. Oh, incroyable! Ouais, c'est Vraiment! ça, la fin, t'es en mode. Mais Qu'est-ce qui va se passer? la fin, elle est exceptionnelle par rapport aux autres, même si t'es en haleine Il pour y a eu deux, les trois autres. retournements, hein, il n'y en a pas qu'un. T'es en haleine pour les autres aussi, mais celui-là. C'est La assez fin. intense. Mais je crois que je pense que c'est dans les fins de romans qui m'auront le plus marqué.
Vraiment. Peut-être pas à ce point-là non plus, mais ça va. Moi, si, c'était tellement Bah, faut dire, tu lis incroyable. que des romances. Tu parles de. Enfin, les fins sont jamais Je lis pas extraordinaires que sur les des romances. romances. Quand tu regardes dans mes bookhauls, Non, d'accord, mais etc. une grosse proportion de romances, arrête de Tu sais que mytho. dans mes updates, j'ai moitié romance, moitié autre chose. Hein. Ouais, en ce moment peut-être. Mais non, vraiment, la fin, elle était incroyable. Et dernier point qui n'est ni positif ni négatif, c'est comme vous le savez, je retiens parfois des citations. Et du coup, bah, quand je retiens une citation, eh bien, je la note et je vous la transmets. Sait-on jamais? Voilà. Et donc j'ai noté, les garçons bien sont dangereux parce qu'il est impossible de dire quand ils seront mauvais. Voilà. C'est Charlie qui a dit ça? Je ne sais pas qui a dit ça, D'accord. mais je garde. C'est beau. Voilà. Sur ce, eh bien écoutez, passons au deuxième tome. Et nous, on passe à table. Le tome 2. Dont on n'a pas la couverture parce qu'elle n'a pas acheté le tome 2 du coup Non, j'ai encore. acheté que le tome 1 parce que bah, vous allez le voir, mais c'est mon préféré. Voilà. Et bah ça c'est une intégrale, donc c'est la couverture d'aucun des trois tomes. Donc j'en C'est un ai peu pas la couverture. un mélange. Ouais, c'est ça, c'est un truc pour que ça puisse correspondre aux trois tomes en fait, tout simplement. Bref, donc ce tome 2 a été un peu plus un fail que le tome 1, puisque moi j'ai noté 8 sur 10 comme une Il bonne n'a pas été lecture sans un plus. fail, voilà, il était bien sympathique, mais pas ouf. C'est ça. Moi, il a été un petit peu mieux à chaque fois que toi. Imaginez Clémentine si elle fait comme ça, moi je suis juste un peu au-dessus comme ça. Mais je On est en train de descends faire des aussi. graphiques, quoi. Ouais, c'est un peu ça. On devrait faire des Excel. Oui, bien Qu'est-ce que sûr. t'en penses? Non, Je j'en fais pense petite pas. présentation PowerPoint pendant qu'on lui parle d'un livre. Oui. Alors, tu rigoles, mais il y a des booktubeuses qui se sont cassées les pieds à faire des graphiques pour leur bilan de l'année. Genre, bilan 2020, avec des petits camemberts. J'ai lu tant de pourcents de lecture de romance, tant de pourcents Ouais, de. livre addict, tu te l'es fait aussi, hein. Alors, il fait pas les camemberts, mais oui, l'idée est là. Ouais, Voilà. Oui, mais c'est pour partager aux gens tes propres mais camemberts, tu vois. bon. Il y a un moment, je passerai pas du temps à faire ça, hein, je vous le Oui, dis. non, on est d'accord. Moi, j'ai filmé hein, mon bilan, mais alors clairement, vous n'aurez pas les graphiques. Hein, Et puis Clem, tu nous le postes quand? En juin? Non, je crois que c'est celui dans 3 semaines, quand on tourne. Donc, Waouh! mi-mars, fin mars. C'est bien, Clem, c'est Franchement, bien. ça va? Allez, on y va. C'est parti! Donc, on commence avec le fait que le tome 1 pourrait être un one-shot et le tome 2 et le tome 3 une duologie compagnon, Ouais. une duologie spin-off. Parce que on va suivre d'autres personnages principaux, donc une autre femme et un autre homme. Et clairement, on dirait des copies conformes des personnages Ouais. du Moi, premier je tome. l'ai vu parce que tu me l'as dit. Je sais pas si je l'aurais vu sinon. Ça m'a pas vraiment dérangé. Mais ce qui en revient un petit peu au même, c'est que j'ai trouvé le point de vue masculin qui servait un peu à rien. Enfin, il sert dans l'histoire. Enfin voilà, mais je trouvais qu'il apportait rien. Enfin pourquoi lui? Pourquoi raconter comme ça? Je trouvais que ça apportait rien. Alors que la fille vraiment, elle apporte quelque chose. C'est juste le mec de la romance. Voilà. Alors que la fille vraiment, elle apporte quelque chose parce que elle est au courant de Neil, etc. Et donc là, on a vraiment tout un côté en mode qu'est-ce qui arrive si on y arrive alors qu'on est au courant, tout ça. Donc là, on a C'est vraiment ça. une autre sphère très intéressante. Surtout que quand elle Mais arrive sur Neil, sinon. elle, du coup, elle a un peu ce côté de on m'a préparé au cas où effectivement je ferai partie de ces ados qui finissent sur Neil. Donc genre la nana sait se créer toute seule un. Comment ça s'appelle? Donc la nana sait se créer une fronde à partir de ce qu'elle trouve dans la nature, par exemple. Donc Ouais, c'est ça vrai que son père, rapporte, il était c'est ça. très. Ça rapporte une notion de survie, pas juste des gens qui savent pas survivre et qui ont vite fait des connaissances, et en assemblant toutes leurs connaissances, ils arrivent à faire un truc potable. Elle a toutes les connaissances de Mais base. du coup, Donc ça, c'est stylé. même si on comprend pourquoi elle savait tout, etc., c'était un peu la fille qui résout tout. Non, pas vraiment. Ah, si. Oh non, si. Je suis pas Attends, d'accord. attends, elle arrive, elle commence à avoir toutes les réponses dans le 2. Mais du coup, le pitch, enfin le principe de cette nana-là était intéressant. Juste le mec en lui-même n'apportait effectivement rien du tout. Parce que lui ressemblait trop à celui du premier. Voilà, c'est ça. Parlons de leur romance, d'ailleurs, justement. Elle vient hyper tardivement. Et alors, comme elle vient tardivement. Elle vient pas si tardivement, dès le premier truc où il se rend compte, on sait que ça va finir comme Non. ça. Moi aussi. Nous, on sait que ça va finir comme ça. Mais entre les persos en eux-mêmes, il n'y a pas de romance. Nous, on sait que ça va finir comme ça parce que ça reste un livre. Il est orienté d'une certaine manière. Mais d'un point de vue juste de Ouais. l'histoire, non. En fait, non, du tout. Et du coup, la romance vient hyper tardivement. Donc, comme elle vient tardivement, vite, 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 il faut qu'on se dépêche et qu'on saute des étapes dans notre romance. Ce qui n'a aucun sens. Et qui, du coup, rend le truc complètement bâclé. Contrairement au tome 1. Moi, j'ai pas trouvé ça bâclé, j'ai juste Ah, trouvé si. la romance pas intéressante. Ouais, bah, ça revient un peu au même en l'occurrence. Enfin, Mais j'ai franchement. pas trouvé que ça allait trop vite ou bâclé, j'ai juste trouvé que ça allait pas intéressante. Ouais.
Enfin bref, du coup, la romance est pas ouf quoi. Non. Le point positif qu'on peut relever, un peu similaire au 1, mais c'est pas grave, c'est les dernières pages haletantes. Donc j'ai Ah. bien mis les dernières 100 dernières pages qui Ouais. sont vraiment intenses. C'est vrai. 100 dernières pages. Mais moi j'ai eu un petit problème vu qu'il y a beaucoup d'action et que je m'imagine mal visuellement. J'étais un petit peu perdue parfois. Ah ouais, ça. Dans les combats, etc., vu que j'ai du mal à me visualiser, j'étais en mode. Vu que, en fait, quand c'est le temps, il m'arrive de sauter des mots. Et du coup, Oui, bah ça, c'est parce que j'ai eu. tu lis Oui, comme un pied, alors. c'est ma faute, mais j'ai eu du mal un petit peu à suivre. Un autre point que j'ai fort apprécié, même si pour revenir vite fait au combat, je comprends, même si c'est plus dans le troisième tome que ça m'a fait ça que dans le deuxième tome, moi. J'ai hâte de dire Parce ce que que tu veux, j'ai hâte de voir ce que tu vas dire. le troisième tome, c'est encore pire. Mais bref, non, non, mais je parle des combats, là, dans Ah, des l'immédiat. combats. Dans le deuxième, les combats, franchement, moi, je vais visualiser sans problème. Par contre, dans le tome 3, effectivement, c'était un peu trop le bordel partout, mais on y reviendra. Autre point appréciable, c'était les relations entre certains nouveaux personnages et les anciens habituels sur l'île. Alors, je sais que c'est extrêmement nébuleux, mais... Je me souviens même plus des nouveaux personnages dans le 2, à part les deux Bah, principaux. c'est pas les nouveaux Ah personnages, oui, c'est il y en avait ceux... encore un peu d'anciens. Y a deux types de persos, on va Ouais, dire. c'est vrai. On Il va y avait dire ça comme encore un peu ça. d'anciens. Y a ceux qui sont sur l'île et qui viennent d'arriver, et il y a un autre type de personnage. Et c'est la relation entre ces deux types de personnages que j'ai trouvé ça intéressant, mais je peux pas vous dire ce que c'est que ces types de personnages. C'est très bizarre, mais je vous dis, c'est intéressant. J'avais pas compris ce qu'elle disait. Donc moi, les personnages secondaires, tertiaires qu'on a déjà vus dans le tome 1, je trouvais ça intéressant de les retrouver quelques-uns dans le tome 2, ce qui n'est pas le cas dans le tome 3. Mais là, ce dont Clémentine parle, c'est vrai que c'était intéressant et c'est vrai que parfois j'attendais un peu ces passages de conversation avec eux parce que ces personnages-là nous révèlent des choses sur Et l'intrigue, l'île apporte et ouais, tout. des choses. Donc c'est intéressant. Et enfin, j'ai noté Ouh. que je n'arrive toujours pas à comprendre comment ça peut être un tome passerelle sans que ce soit un tome passerelle. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. C'est un tome 2, mais ça pourrait être un premier tome, deux spin-off. Ouais. Parce que en même temps, il y a des révélations et en même temps, il y a des longueurs Et et c'est pénible. ça amène le tome 3, et c'est vrai qu'il y Voilà. a des longueurs, il y avait des moments longs, mais c'était aussi page turner, on les a lu, enfin on a lu chacune le tome 2 rapidement, parce que bah en même temps on voulait savoir est-ce que ça va devenir aussi haletant que le premier, enfin Ouais. mais au final c'était cool. C'était sympa sans plus, donc toujours ce qu'on a dit 8 sur 10 pour moi. Toi, je sais plus si tu donnes des notes, Non, moi je donne pas de mais note. c'est bien, mais pas la révolution de votre vie, quoi. Donc oui, en fait, ce tome-ci, il est un peu là pour nous en dire plus sur l'île que plus sur les personnages ou quoi que ce soit. Ça nous parle de l'île et ça amène vraiment le sujet de l'île dans le tome 3 où ça va devenir le plus important. Oui. Bah, je pense qu'on peut enchaîner sur le tome 3. Le tome 3. Le tome 3. Quand on dit ça comme ça, vous pourriez penser que soit ça a été une révolution, soit c'était mauvais. Bah, c'est mauvais. Bah, c'était mauvais. Moi, ce que j'en pense, c'est qu'il a un peu servi à rien, dans le sens où on avait les réponses à 90% à la fin du deuxième tome. Que ça aurait. Non, moi je trouve qu'on avait assez de réponses. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens, on vous a laissé comprendre éventuellement que la réponse serait peut-être ça, mais on vous a pas dit à coup sûr, c'est ça la réponse. Voilà, Et dans le troisième tome, on vous confirme la plupart de vos soupçons, en fait. mais moi, ce tome 3, je l'ai trouvé un petit peu inutile. Je trouvais que ça retournait un petit peu en rond. J'ai trouvé que ça n'avait pas vraiment de sens. Clairement, pour moi, ça pouvait être une duologie avec le premier tome et le deuxième tome, un mélange du 2 et du 3. Peut-être plus long, ou je sais pas, mais il y a plein de passages à zapper, ou de trucs inutiles, ou enfin, qui n'étaient pas nécessaires. Mais du coup, vraiment, le tome 3, j'ai trouvé un peu brouillon. Je l'ai trouvé un petit peu loufoque, étrange. On pourrait par exemple parler. Du point de vue de Neil. Voilà, on se complète toutes les What deux, vous the avez fuck? vu. Ouais, non, on est d'accord, on a écrit la même chose dans nos notes, le point de vue de Neil, Quoi? mais pourquoi non. Quelque quoi? En Non. fait, je comprends comment il aide l'intrigue, etc. Mais je l'ai trouvé trop bizarre. C'est ça. En fait, on comprend qu'il aide l'intrigue. Ouais. Mais moi, ce que je me dis, c'est que j'aurais préféré que l'autrice trouve un autre Ouais, subterfuge ouais. pour nous dire ces trucs-là, plutôt que Ouais. d'utiliser le point de vue de Lille, quoi. Ouais, plutôt un point de vue omniscient sans dire que c'est l'île, Ouais, c'est que ça. dire Nil. Voilà son point de vue. C'est parce que c'est pas son point de vue. Même s'il y a quelques-unes de Enfin ses bref, c'est chelou. émotions. Trop bizarre. Et puis qui parle. Enfin, Non. une île avec une âme déjà. Mais ça me permet de rebondir en donnant la citation que j'ai retenue de ce tome, Ouh. quoique je ne l'ai pas aimée. Hein, voilà, comme quoi tout est possible.
Donc c'est l'un des persos principaux qui pense « Mais la vie n'était pas toujours juste ni facile », et il y a Neil qui lui répond « Ni longue ». J'aime bien. Mais au final, même si ce tome, voilà, la plume, elle est toujours... Ah oui, d'un point de Voilà. vue plume, ça bouge pas. Nous, là, vraiment, on parle du contenu du livre, pas de la manière d'écrire. Par contre, niveau contenu, j'ai beaucoup à vous en dire, moi. Mais moi, en fait, j'ai lu les tomes 1 et 2 à peu près d'affilée. Et le tome 3, je crois que j'ai lu 5 livres entre le tome 2 et le tome 3. Parce que j'avais lu vite fait un petit peu le début du tome 3, donc je savais ce qu'allait venir et ça m'intéressait pas vraiment. Donc j'ai lu 5 livres entre. Et je crois que Neil, c'est parce que il fait partie de mon challenge de janvier, de à table. Donc je l'ai un peu lu pour le challenge quand même. Même si ça m'intéressait et que fallait que je le lise parce que voilà, j'ai tellement aimé le premier que voilà. Mais c'est vrai que c'était pas. Moi, vraiment, encore, je l'ai trouvé sympathique. Je l'ai trouvé sympathique, mais pas nécessaire. Comme disait Laurine tout à l'heure, hein, le côté survie, l'univers, l'écriture sont toujours intéressants. Le problème, c'est vraiment dans certains choix qu'a fait l'autrice au niveau de l'histoire, soit certains choix de narration qu'a fait l'autrice, qu'on est vraiment très sceptique. Mais le reste reste très bon. Voilà. Je tenais à le dire. J'ai noté aussi qu'au vu du nombre de pages, c'est-à-dire 458, il s'est lu très rapidement. Voilà. Alors. Mais tous, ils sont page turner, je trouve. Oui, Même mais tous, mais je l'ai si. écrit que pour le troisième, alors je l'ai peut-être lu plus vite que les autres, alors qu'il était plus chiant. Moi, je les ai tous lus, bah. Quand même un petit peu moins les autres que le premier, hein, on va pas se le cacher. Mais je les ai tous lus très rapidement. Même quand tu te fais chier, tu tournes les pages parce que tu veux connaître la suite ou tu veux passer le passage. Enfin, tu lis super vite ce Ouais, ça roman. Enfin, c'est... ces Ouais. romans. Pour les personnages, le truc, c'est que comme on vous disait, il y a des personnages secondaires, tertiaires. Et dans le tome 3. Il y a plein de nouveaux personnages, il y a trop de nouveaux Oh personnages oui, et d'un coup. d'un coup et je les trouve. En fait, je crois que j'en ai aimé aucun. Ils Vraiment. sont pas nécessaires, ils sont tous là d'un Je coup. sais pas, je les connaissais pas, ces gens-là. Ils me Ça paraissaient te plaît, vas-y. bizarres. Pourquoi ils veulent traîner avec moi? Je comprends pas. Non, là, Laurie, tu te calmes, Non, sérieusement. vraiment, je n'ai pas accroché. J'ai pas accroché avec. Vraiment, je crois que j'ai accroché avec aucun des personnages. Non, non, Donc, c'était non. C'est pas pas. faux. Alors que vraiment, dans le premier tome, je vous l'avais dit, j'ai tellement aimé les personnages secondaires, tertiaires. D'ailleurs, le problème avec les personnages en question, c'est qu'ils se ressemblaient tous. Je sais pas si t'as ce souvenir-là, mais Ouais. alors, ils se Si. ressemblaient tous. J'avais juste Ou alors, ils l'impression. ressemblaient à des personnages qu'on avait déjà vus. C'est ça. J'avais juste l'impression qu'il y avait un peu le. Ça, c'est une fille, et ça, c'est un garçon. Genre, juste. Il y avait la personnalité garçon, la personnalité fille. C'est tout, en Oui. fait. Il n'y avait pas beaucoup, beaucoup plus de variété. Et c'était pas des filles en mode plus, enfin en mode. Non, c'était pas fille comme ça, non, mais quand même. J'ai un mouchoir. Hein. Oui, moi je vais vous donner ma réaction quand j'ai fini le livre. Parce que je l'ai retranscrite mot pour mot. Ce que j'ai pensé. C'est super! Mais tout ça pour ça! Vraiment? Genre, tout ça pour ça! Ah ouais, Là, ok. la fin, elle m'a pas convaincue. Hein. Même si c'est une fin, c'est clôturé, tout ça, mais j'étais vraiment en mode, on en revient à ça! C'est pas ouf, hein. Dernier point positif après, on va lui rentrer dans l'art. Toujours ça comme ça. Il y a un personnage en particulier qu'on a déjà vu, dont son point de vue à elle ou à lui, mystère, était très intéressant. Voilà, donc je peux pas vous dire qui. Ouais, c'est Ceux vrai que qui c'est l'ont lu rejoint. éventuellement, venez nous parler dans le Discord non masqué, dans les commentaires, en Son point de discretos, vue voilà. ou les rencontres avec ce personnage, les Voilà, discussions avec ce par exemple. personnage. Très intéressant en effet. Voilà, c'était sympa. Maintenant, je peux clasher. Oui, tu peux clasher Clémentine, vas-y. C'est Mais sois pas parti. trop méchante non plus. Bah, je dis ce qui est mérité, quoi. Bon, d'accord. On l'a déjà dit, mais le point de vue de Neil, what the fuck? Genre, le point de vue de Lille, ça colle pas, je vais pas me développer plus que ça, Why? mais on en a parlé tout à l'heure. Non, en fait, non, juste non. Ensuite, on a un personnage qui a magiquement toutes les solutions. Le Saint-Esprit lui révèle tout et lui transmet tout dans son cerveau direct, et du coup, elle est en mode, ah, faut faire ça, et après, faut faire ça, et après, on fait ça. Non, Bon, non, ça non. D'ailleurs, dis donc. Aurait-on pas une autre remarque à faire vis-à-vis de la transmission de pensée? Écoutez, je sais pas si vous êtes en couple. Vous avez le droit de ne pas être en couple. Moi, je le suis. Depuis longtemps. Pour mon âge, on va dire, proportionnellement. Et actuellement, on arrive à comprendre ce que l'autre veut quand on se regarde dans le blanc des yeux, mais que moi. quand c'est des trucs basico-basiques. De type, il est midi, toi aussi t'as faim. De type,
Moi, je veux un câlin. Tu vois, le Ou classique. quand il se passe quelque chose, qu'on est entouré de personnes et qu'on se regarde et qu'on comprend totalement, genre on Voilà. rigole. En fait, comme toi et moi. Quand on se Voilà. regarde, on se comprend totalement. Voilà. Mais il faut quand même quelques années d'expérience Et avec puis, il l'autre faut poser des personne. limites. Il y Aussi. a un certain level. Voilà. Je suis sûre que vous voyez, on veut rien. Là, il y a littéralement de la transmission de pensée entre deux personnages qui sont en couple depuis max un an. Grand max. J'ai plus les dates en tête, mais grand max un an. Ouais, mais c'est vraiment de la transmission. Ouh, j'ai craché. Encore? Oui, mais pas mon nez cette fois, la bouche. C'est de la transmission de pensée, mais comme mystique, et ça arrive à chaque couple, Ouais, c'est ça. etc. Mais c'est pas en mode on devine enfin, ce que l'autre dit, c'est vraiment on entend ses pensées dans sa tête, on peut Voilà, parler. ça. On entend précisément et on dialogue vraiment par les pensées, mais en même temps, Mais parfois, c'est pas vrai. ils sont même pas ensemble, parfois, ils sont pas obligés de se regarder. C'est juste, ils transmettent par pensée. Mais ça n'a aucun sens dans le sens où tout le Et reste puis, il n'y a sur pas de Neil, magie. voilà, ça, il n'y a pas de magie et tout le reste sur Neil est expliqué sauf ça. Donc ça n'a vraiment pas de cohérence, c'est juste Ouais, c'est vrai. facilité scénaristique. Youpi la boum, on comprend ce que veut l'autre et ce que pense l'autre, même si on est loin l'un de Puis l'autre. comme ça, on est des deux côtés, de ci, de Mais ça là. n'a aucun sens. Mais c'est vrai que je ne l'avais pas relevé avant que tu me le dises. Mais ça n'a aucun sens. Et puis, il n'y a pas de magie vraiment dans cette histoire. Non. Donc pourquoi là, de la transmission de pensée, ça n'existe pas dans la vraie vie, hein, les Bah, il petits y a quand gars. même les portes chatoyantes. Mais je veux dire, toute la magie est autour de Neil. Ça n'a aucun lien avec Neil. Enfin, pas de lien direct en tout Enfin, cas. Ouais, c'est vrai. Parce Non, ça n'a pas de ils sens. viennent de Lille, etc. Mais Non, mais ouais, ça n'a pas de non, sens. ça n'a pas de sens. Micro spoil, mais alors vraiment micro micro, il y a des gens qui meurent à la fin. Parce que franchement, tatata. Dans les survivants, personne ne fait le deuil de personne. Ça a été tes potes pendant super longtemps, enfin, longtemps. Et ils meurent sous tes yeux ébahis, parfois dans des conditions atroces, il me semble. Mais alors, Moi, je me bats souviens les pas de coups, ces frère. morts-là dans le tome 3, mais je me souviens qu'il y en a aussi dans le tome 2 à la fin. Et par contre, Oui, mais il y a un petit deuil dans le 2. voilà, il y a un deuil. C'est ce que j'allais dire. Contrairement à ça, il y a un deuil. Et du coup, j'ai envie de dire, je suis pas d'accord avec toi, mais en même temps, je me On parle souviens pas du même pas livre, alors. de. Je me souviens pas du dans le 3. Donc, je sais que dans le 2, il y a un deuil. Ouais, bah alors dans le 3, il n'y en a pas. Hein. Comme c'est le boum 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 de la fin, there's no time for it, there is no deuil. On ne sait plus si on l'a dit, mais là, en gros, il y a des personnages qui ont été mal choisis pour les points de vue, qui collaient pas. Enfin, ça. À nouveau, on n'a pas compris, on n'a pas compris. Pourquoi? Pourquoi? Et enfin, dernier point négatif, mais je pense que ça suffit, c'est que on a plein de paroles et de personnages qui sont en mystérieux, en mode tcha tcha tcha. Le mystère est présent. Mais c'est pas inutile et surtout, il y en a trop. Non, c'est C'est pas pénible la force. Oui, utile. c'est pas utile, pardon. C'est pénible la force. Enfin, quand vous avez tout le temps. Genre, je dis n'importe quoi, mais Et tu pour vous faire une comprends idée. rien. Si, genre, il y a 10 personnages et que sur les 10, il y en a 4 qui sont en mode je suis le mystère. Voilà. C'est juste pénible. Et C'est puis, lourdingue. moi j'ai trouvé qu'il était trop bizarre ce tome, qu'il y avait trop de mystères, que tu savais pas qui croire en fait, qu'il y avait trop de tu dois trop te creuser les méninges, Non ça mais, m'a saoulé. c'était relou, c'était relou. Mais j'ai quand même bien C'est aimé ma lecture, relou. à un point, voilà, bon, ok, ça va, je l'aurais jamais abandonné par exemple. Voilà, je l'aurais... Pour une fois qu'il y a des moments, je crois que j'étais pas si loin. Il y a des moments où j'étais pas si loin. Je Non, moi pense pas non. que je l'aurais fait parce que c'était le dernier tome d'une trilogie. Mais ça aurait été un premier tome, par exemple, peut-être. Tu vois. Ah là, je sais pas. Ah, tu vois. Mais non, c'était Mais quand comme même on savait que intéressant. c'était un dernier tome, t'es en mode bon On veut la allez, après l'histoire fin, est etc. finie, Savoir comment tu nos sais proche de la personnages. fin. Ouais, Finissons, ouais, ouais. finissons. Bon, on résume. Tome 1. Coup de cœur. Coup de cœur! Et je m'en Voilà, vais Laurine elle est absente, jusqu'à. moi je suis là. Ensuite, Tome 2. ouais, 8 sur 10. Voilà. Et ensuite, 6 sur 10. Moi. Voilà. C'était notre ressenti général sur la série. Donc je crois que on va pouvoir dire que cette série a été point 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 point. Bon, moi j'ai quand même adoré et je pense que je me relirai par exemple le tome 2. Mais alors je dis ça dans le sens littéralement point Ah, point point oui. point. Ok. Bon, on espère que notre avis n'aura pas été trop long, que cette vidéo vous aura quand même intéressé parce qu'on parle que d'une saga. On ne sait pas trop si vous aimez les objets communs quand on parle que d'un livre ou d'une saga. Donc dites-nous, est-ce que vous préférez qu'on fasse deux parles de livres, même si là on n'aurait pas pu parce que c'est une saga, c'est une trilogie. Ça reste un update saga. Mais voilà. Donc on vous souhaite de joyeuses lectures. Mettez un petit pouce en l'air. Et un commentaire. Et on vous dit à bientôt. Ciao! Ciao!